Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une ouverture de paquet de baseball. On est sur du Topps 2022, la série 1. J'en ai pas encore ouvert sur la chaîne. Les voici. On a 4 gros paquets à ouvrir de 16 cartes. Que voici. Avec toujours pour objectif d'obtenir du Milwaukee ou quelques joueurs que j'aime bien, genre Louis Robert, ou alors Shohei Ohtani, Mike Trout, ce genre de joueurs. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on est sur 2022, donc c'est les séries 1. Il n'y a rien de particulier, hein, tous vous les connaissez normalement, ces genres de séries. Si vous ne les connaissez pas, ben c'est pas grave. C'est l'occasion de découvrir. Voilà, on a quelques inserts. Donc qu'on peut trouver dans les paquets. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, on ouvre, c'est parti. Des beaux inserts, je suis preneur également sur ces cartes. On commence avec une Brett Gardner, Tyler Glasgow, Tyler McGill, Wolkoff, Wetter, Perez, Abreu, Hernandez. Clint Frazier, c'est du Yankees hein, là-dedans. Jackson Ritz, Washington. Travis d'Arnaud pour les Braves. Odor pour les Yankees. Gray en rookie. Jared Walsh pour les Angels. Nelson Cruz des Rays. Rookie Long pour les Giants. Jason Hayward. Ça aussi, Buster Posé, ça fait partie des joueurs que j'apprécie et que j'essaie de collectionner quand je peux. Donc une petite Buster Posé en chrome. Moi ça me va très très bien. Joueur magnifique hein, des Giants. Donc celle-ci, je la garde. Et une jolie Stars avec José Ramirez des Guardians. En insert. Hop, j'en profite pour protéger tout de suite la carte. Hop, voilà. Et José Ramirez, on va la protéger également. Voilà le premier paquet. On continue. À ouvrir ce deuxième paquet avec tout de suite Alex Reyes de Saint-Louis. J'essaie de les séparer un petit peu. On fera un petit point à la fin de tout ce qu'on a eu. On a Falefa pour les Rangers. Aim pour les Rangers également. Simmons pour les Twins. Grant pour les Twins. On a Arroz Arena avec le petit logo ici. Le Topps qui rajoute. Donc c'est une genre de parallèle en quelque sorte hein, avec ce petit logo. Minor pour Kansas City. Lester. Devin Williams pour les Brewers. Ça, ça m'intéresse, évidemment. Je sais pas si je l'avais ou pas, mais on verra. Cédric Mullins. Wheeler, Zach Wheeler pour les Phillies. Castro. Trey Mancini pour les Orioles. Matt Olson. Joueur que j'aime beaucoup également pour les Athletics. Ensuite, on a Garrett Cole pour les Yankees en Topps Chrome. Très joli, Garrett Cole. Très très bon lanceur. Les Yankees en plus en Chrome, c'est encore mieux. On a également une très jolie Nolan Arenado. Joueur fabuleux également. Très bonne coche.
en Star of MLB. Donc, pour l'instant, c'est des inserts qu'on a eu le plus. On en a eu 3 sur les 4. En fait, c'était une parallèle, c'est comme par un insert. Alors, il y a un leurre. Ah non, c'est peut-être pas un... Je sais pas ce que c'est, cette... C'est une... Pourquoi les autres paquets n'ont pas? C'est pour éviter les faire les avoir volés, mais je vois pas pourquoi. Les autres paquets n'avaient pas. Bizarre, c'est comme ça. Alors, Breakout Leader avec Corbin Burns, donc ça, ça va dans la collection. La carte d'équipe avec les Blue Jays. Trevor Story pour les Rockies. Josh Reddick. Gavin Sheet pour les White Sox en rookie. Mike Trout. La base de Mike Trout, Josh Donaldson, le rookie Connor Wong, le super Freddie Freeman sous les Braves, Joe Urshela pour les Yankees, Fairchild en rookie pour les Diamondbacks, Eduardo Escobar pour les Brewers, joueur qu'on aurait mieux fait de garder. Kevin Pillar pour les Mets, Rivera pour Kansas City, et ensuite on attaque avec un très joli die cut d'une ancienne gloire, vraiment très jolie cette die cut, Eddie Murray très très joli, Eddie Murray des Orioles. Très belle carte. Et on a également un insert d'Aaron Judge pour les Yankees. Toujours Stars of MLB. Allez, dernier paquet à ouvrir pour ces séries 1 de Flip Tops de 2022. J'avais ça dans les stocks à ouvrir pour vous. J'avais pris ça sur la mailbox avec Steven Brown, Castillo pour San Diego en rookie, on a Hamburger en rookie, Max Fried lanceur des Braves, Tim Anderson pour les White Sox, Eric Homer pour les Padres, c'est dans tous les sens hein, les cartons. Moustakas pour les Reds, Marco Gonzalez, on a Turnbull pour les Tigers, les White Sox avec Rodon, George Mateo pour les Orioles, Hunter Renfrow pour les Red Sox, Howard pour les Rangers, Tyler Gilbert pour les Diamondbacks, ensuite on a une rookie, Louis Gill pour les Yankees, derrière on a encore une star of MLB, cool, Bo Bichette pour la collection. Ça c'est top, Bo Bichette, joueur que j'adore également, très très efficace comme joueur. Pas mal de cartes qui me plaisent bien, des cartes que je ne collectionne pas, mais qui sont vraiment sympas, comme la Aaron Judge et tout, la die cut qui est très jolie. Donc franchement, je vous remontre un peu la die cut, qui est la carte la plus belle de ces paquets, voilà une légende des Orioles, Eddie Murray, en format die cut, vraiment très sympathique, Judge, Arenado, Garrett Cole, c'est quand même des très gros joueurs, José Ramirez aussi, c'est un très bon joueur,
Donc niveau des inserts, on est gâté. Ça, il n'y a pas de souci. Pas mal de bases, évidemment. Les séries 1 et séries 2, hein, c'est beaucoup pour les bases. Hein. Et les rookies. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu cette petite ouverture donc de cartes de baseball pour cette fois. Alors, en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, allez faire un petit tour sur le site internet et vous abonner évidemment à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pensez à partager en masse mes vidéos pour faire découvrir au plus grand nombre les cartes de sport et mon univers également. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures et découvertes sur la chaîne. Salut salut !